na ngai omba naza na age ya 28 ans naza na bana 6 bon pona choix na ngai nazalai na bezwe na kuma na bana 6 boete moni na ki na bezwe ba tata mi balai ata mi sat bon soko vande na ovana na mbale sika moko na ebi ko utiliser loro moote omona mukimke boe na juizemi. L'RDC est un pays qui compte entre 60 et 70 millions d'habitants. C'est un pays qui est en guerre depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans même, et qui est classé au dernier rang de l'indice du développement qui est publié de façon annuelle par le PNUD. Donc c'est un pays où à peu près 70 à 80% de la population vit avec moins de 1,5 $ par jour. Donc majorité de la population qui vit dans une extrême pauvreté. C'est l'un des pays où les taux de fécondité sont les plus importants, puisqu'on compte 6,8 enfants par femme. La prévalence contraceptive dans ce pays est encore très bas. La prévalence contraceptive est de 6,5%. La moyenne d'enfants par femme est de 6,2. C'est parmi les moyennes les plus élevées en Afrique. Nous disons ici dans notre pays que la planification familiale s'adresse, doit lutter contre les quatre trop, donc les grossesses trop nombreuses, trop rapprochées, survenant trop tôt ou trop tard dans la vie d'une femme. Sur Kinshasa, une dernière étude vient de paraître et vient de montrer que près d'un enfant sur deux est un enfant issu d'une grossesse qui n'était pas désirée à la base. Nazaba misato nabota na 20 ans moi na bosso na siko nazana 27 ans d'âge na yokango na kandingi za radio bata 5 ans fa ki na futa mbo me tellement na mbo te ezo normal parce qu'ils ont aidé biso ko bota ko landisa eza mabe fo matrice pema. Mais vu qu'il y a une condition à Mbongo, ils sont bons, ils allaient dans. L'accès au planning familial reste extrêmement problématique en RDC pour différentes raisons. D'abord, il y a une grosse lacune au niveau des informations. Donc les femmes et les hommes en général ne savent pas ce que ça veut dire avoir accès à un planning familial et pouvoir décider d'avoir ou non une grossesse. Donc, ce manque d'accès est lié, certes, à un manque d'information. Il y a d'autres barrières qui en sont les causes. D'abord, les femmes ne savent pas où aller, donc une certaine barrière d'une certaine façon géographique. Elles ne savent pas dans quel centre de santé elles peuvent aller pour avoir accès à ces dispositifs. Une barrière financière, avoir accès à un implant aujourd'hui en RDC, ça coûte entre 20 et 50 dollars, ce qui reste un montant extrêmement important pour une femme qui vit avec moins d'un dollar 50 par jour. Il y a beaucoup de femmes qui sont sensibilisées, il y a beaucoup de femmes qui font la demande, mais il y a quelque chose, la demande ne suit, donc la réponse à cette demande ne suit pas. On n'a pas suffisamment de services de planification familiale, on n'a pas suffisamment de contraceptifs dans ces pays. À l'intérieur, parfois, il y a des ruptures de stock, ainsi de suite. Mais nous avons dans le pays 24% des besoins non satisfaits. Donc, si on fait des enquêtes, on voit des femmes qui répondent. Il y a des femmes qui ont besoin de la planification familiale, mais qui n'arrivent pas à avoir ces services. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin, mais ça n'existe pas dans leur milieu ou dans leur environnement. Kombo na ngatina, age na mo na 92. Bon, ngandi na zaboué, j'ai na ngali bosso na zo ka on par la force, na linga raté, na zo ka on a force, ba la bando force pour les banzo tona. Je suis là.
soit comme na j'ai une fois longo la toi mais la kisi bon on a ébaki ba makambo na te na bando s'est retrouvé derrière un monsieur 6 mois to 7 mois moi ça la paix exacte na bando tikala ngaka ata na bande ko mitungisa mais na zaki na assurance non c'est pile donc na c'est pile qui déjà na permis ça il faut na beaucoup la bande na bazala nan bakola nan batanga pinga pina kaivi bon et ça la maman moko menze moko kote na bando landa kilo aebi sa kinga sunga kinga lobi yo boti mingi déjà mais toi na centre moko ana ba opesa batonga mais na ebi sa ki jeno toi na yana te pa ebini lote wani za secret na moi si pour ya souci njoto na za posa ni. En RDC, une femme devient femme à partir du moment où elle a donné naissance et il y a une pression extrêmement importante des familles pour que la femme puisse avoir un certain nombre d'enfants. Donc, 2, c'est certainement pas suffisant, 4, 5, 6, voire plus. Et plus on va dans des milieux précaires et pauvres, plus les familles vont être importantes. Je prends le cas des femmes mariées. Bon, dans nos milieux, on a encore... la femme qui est soumise à son mari. Cette soumission, l'Église le met en évidence, cette soumission, la famille le met en évidence, etc. Et toute la population le met en évidence. Donc une femme non soumise, c'est celle-là qui va refuser, par exemple, les rapports sexuels en période dangereuse. Supposons qu'elle utilise les méthodes calendrier. Si son mari voudrait avoir des rapports à cette période et qu'elle dit non, eh bien, elle a des problèmes. Elle n'est pas soumise et que même devant la famille, devant... elle est condamnable parce qu'elle n'a pas accepté l'homme au moment où il avait besoin d'elle. Donc ça, c'est déjà une situation qui est anormale. Il y a aussi la valeur culturelle de la maternité. Hein? On se marie, la plupart du temps, c'est pour avoir des enfants. Alors refuser à un enfant de venir au monde, c'est criminel. Une femme qui n'est pas mère, elle n'est pas très fort considérée. On est considéré par le nombre d'enfants qu'on a fait, on est considéré parce qu'on a déjà fait des enfants. Si une femme congolaise n'a pas encore eu la maternité, en tout cas socialement, elle n'est pas encore très, très, très considérée. Alors le statut de mère est très important encore dans le pays. Je m'appelle Irène, j'ai 19 ans, j'ai une enfant, il s'appelle Moïse. Il a une semaine. La situation des adolescentes est particulièrement préoccupante puisque aujourd'hui, l'âge médian des premiers rapports sexuels se situe autour de 14 à 15 ans. Donc on a un premier rapport sexuel qui se fait de plus en plus tôt, avec toujours ces différentes barrières, donc la lacune d'information. Les jeunes filles ne savent simplement pas qu'une relation sexuelle peut aboutir éventuellement à une grossesse. On a 33% des adolescents qui sont enceintes, tentent de faire
un avortement qui se solde pour 90% par un échec, soit de mort ou bien de morbidité très importante sur le plan de la santé. Le poids de la famille est très très important. Jusqu'aujourd'hui, une fille de 15 ans elle ne peut pas décider d'elle-même. Elle dépend encore des parents. Une fille de 16 ans, elle dépend encore des parents de 14 ans, même si elle est sexuellement active. Alors que les services parfois ne sont pas faits pour recevoir ces jeunes personnes. Parce que les services de planification familiale, on sait que c'est pour des couples, on sait que c'est pour les grandes personnes. Un enfant, une jeune adolescente de 15-16 ans, elle n'irait pas vraiment, elle n'ira pas d'elle-même d'une façon volontaire dans un service de planification familiale. Et si elle va dans le service de planification familiale, on va le dire, mais ici c'est pour les adultes, ce n'est pas pour vous les enfants. Donc elle ne va pas y aller. Les grossesses des adolescentes, parfois ce n'est pas accepté aussi. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas encore le temps pour toi, pourquoi tu es enceinte? Donc c'est comme si on est en train de juger la personne. Alors les adolescentes ont des difficultés d'accéder au service de planification familiale. Dans la 20 ans, dans la mois à Moko, moi là, j'ai 4 ans. Je suis violée. La question de l'avortement reste aujourd'hui extrêmement tabou en RDC. Dans les familles et même par rapport aux adolescents, ça reste une question dont on ne parle pas. La religion est extrêmement importante en RDC, que ce soit l'église catholique comme les différentes églises évangélistes qui pullulent ici à Kinshasa. Et donc cette question religieuse finalement enferme et cloître quelque part cette question du tabou autour de l'avortement, même si c'est une réalité probablement extrêmement importante dans la vie des femmes. D'ailleurs, la majorité des femmes qu'on a pu interviewer ont parlé de cette question-là et ont parlé d'une volonté, d'une démarche parfois, mais qui à un certain moment a pu être stoppée. Pour le moment, l'avortement est considéré comme criminel et c'est encore difficile d'imposer l'avortement au niveau légal. Mais je me dis que c'est un processus qui va peut-être petit à petit s'imposer à un moment donné, au moment où les gens comprendront effectivement que ces avortements clandestins sont beaucoup plus lourds que de légaliser les avortements et que peut-être en ce moment-là, on peut encadrer ces avortements et que du fait de les encadrer, ça va certainement les réduire. Je m'appelle Audrey, j'ai mère de 5 enfants. Je n'attendais pas de ça parce que j'ai étudié. Je me suis trouvée en grossesse. Na ndima kobota. Deuxième, troisième enfant pour assiringa déjà au balangai. Pour assir kutela na baporo na nga sulay na bango. Mais to vandi na ye. Maman moko boye ali akei na ye. A se débarrassé na ngai, akei na ye a abandonné ngai. Iska abandonné donc atiringa ko isolé. Donc ngai moko mututé. C'est tout.
La question du droit des femmes est aujourd'hui en RDC au cœur des sujets, notamment au cœur des sujets de développement. Chez Médecins du Monde, on plaide aujourd'hui pour la promotion d'un accès à la contraception libre et volontaire pour toutes les femmes en âge de procréer, et qui ne va pas forcément dépendre de l'accord d'un homme, quel qu'il soit dans sa relation avec un homme, mais que vraiment que chaque femme puisse prendre conscience quelque part qu'elle peut choisir et décider du moment où elle va pouvoir accueillir une grossesse dans les meilleures conditions possibles. Le programme national de santé de la reproduction, y compris la planification familiale, fait beaucoup de formations avec des partenaires. Donc c'est un programme qui existait. Notre pays, la République démocratique du Congo, est un grand pays, c'est comme un sous-continent, avec 2 345 000 km², avec 70 millions d'habitants. Alors on ne peut pas dire que les services sont partout. Mais nous avons des programmes aussi de sensibilisation. Bien sûr, je ne peux pas dire que ces programmes sont vraiment répartis également sur toute l'étendue de la République. Nous devons encore faire beaucoup d'efforts pour sensibiliser. Dans le cadre des efforts que le gouvernement est en train de fournir pour repositionner la planification familiale, déjà la planification familiale retenue comme intervention à haut impact pour réduire la mortalité maternelle, il faut souligner également qu'au-delà du fait que le gouvernement a décaissé une première allocation des fonds pour l'achat des contraceptifs déjà en 2013, il n'y a que pour l'année 2014, il y a une ligne budgétaire qui a été retenue dans le budget gouvernemental pour la planification familiale. Donc ça, c'est du jamais vu quand même au pays, il faut le dire. Ça, ce sont des innovations que le gouvernement a apportées. Au-delà aussi du fait qu'avec le programme d'équipement des structures de santé, on a équipé beaucoup de structures de santé au pays, et parmi lesquelles les structures de santé qui offrent la planification familiale. Donc tous ces efforts, gouvernement, partenaires techniques et financiers qui nous viennent en appui, vont concourir au fait que d'ici à 2020, nous pensons que notre plan stratégique va donner des résultats escomptés, à savoir passer de 5,4% de prévalence contraceptive à 19% minimum de prévalence contraceptive.